ont été utilisés tout autrement. Et c'est pourquoi il y a deux métissages. Faut pas tout mélanger. C'est ça que il y a le métissage racial, c'est-à-dire le mélange des races physiquement. Qu'est-ce que c'est les races? Vous entendez par race? S'il n'y a pas de race, il n'y a pas de métissage. Donc peut-être que le deuxième métissage, on s'en va. Non, parce que vous parlez de métissage, donc peut-être que le deuxième existe. Parce que pour vous, Rokhaya, les races n'existent pas. On écoute la deuxième. Je vais très vite. J'ai le sentiment que, à la sacralisation des races de la période nazie et précédente, a succédé la négation des races. Et c'est, d'après moi, aussi ridicule l'une que l'autre. Ça veut dire que ça n'existe pas. On voit bien que ça existe. Comment on le voit, je comprends pas ce que vous voyez. Et donc, la couleur de peau, selon vous, fait que moi, j'appartiens à une race différente de la vôtre. Mais évidemment. Non, mais que vous redécouvriez. Évidemment, j'appartiens à la race blanche, vous appartiez à la race noire. Non, s'il n'y a pas de derrière, il y a de mal. Peut-être que ça vous rassure. Non, mais ça n'a rien. Éric, ça vous rassure d'appartenir à la race blanche.